La super patrouille. Il fait nuit à Car City. Tout est calme et tout le monde dort. Hey Amber, ça ne serait pas ta sirène qu'on entend ? Alors pourquoi n'est-elle pas sur ta tête ? Tu ferais mieux d'appeler la super patrouille. Hey les amis, Amber a un problème. Quelqu'un a volé sa sirène et s'amuse à réveiller tous les voisins avec. Bonne idée, Matt. Suivons le bruit de la sirène et nous trouverons le voleur. Par où est-il parti? À gauche ou à droite? Hector, Matt pense que le bruit vient du terrain de jeu. On dirait qu'on se rapproche du voleur. Attends, la sirène s'est arrêtée. Tu devrais peut-être quand même vérifier le terrain de jeu. Apparemment, le voleur n'est pas ici, n'est-ce pas? Hey Hector, Matt et Frank n'ont pas trouvé le voleur, mais tu auras peut-être plus de chance. Voilà le voleur, Hector! Allons prévenir les autres! Matt, Frank, Hector a repéré le voleur! Il se dirige par ici! Oh oh, le voleur a vu Matt. Mais il n'a pas vu arriver Frank. Il est coincé. Eh bien, c'est ce chenapan de Tyler qui est derrière tout ça. N'essaye pas de le nier. Tyler, tu es en état d'arrestation. Voilà Amber, elle arrive juste à temps pour récupérer sa sirène.
Bah t'as raison. Puisque Tyler aime tellement les sirènes, il va être servi pendant son séjour au poste de police. Super travail d'équipe, les amis. Vous avez trouvé le voleur et rendu sa sirène à Amber. Il est temps de retourner se coucher maintenant. Bonne nuit à tous. La super patrouille. Mais que se passe-t-il à Car City aujourd'hui? Tout le monde conduit dans tous les sens. Matt et Frank aussi. Eh, hey, les amis, que se passe-t-il? Oh, il y a de l'essence partout. Ça pourrait être dangereux. Mais d'où vient-elle? Vous devriez peut-être enquêter. Oh oh, un feu rouge. J'ai l'impression que Matt va pouvoir s'arrêter. Mais Frank doit y aller prudemment. Attention, Frank! Est-ce que tu vas bien? Eh bien, au moins tu as réussi à t'arrêter. Mais maintenant, tu es dans le mauvais sens. Le feu est passé au vert. Tu ferais mieux de faire demi-tour et de rattraper Matt. As-tu vu quelque chose, Frank? Oh! C'est Tyson, le camion-citerne. Il y a quelque chose qui goûte de son réservoir. Attends un peu, Matt. Entends-tu la sirène de Frank? Cela veut dire qu'il veut que tu reviennes et que tu le suives. Hé, hey, Tyson, oh? Entends-tu la sirène derrière toi? Cela signifie qu'ils veulent que tu t'arrêtes. Oh mince alors. On dirait que toute cette essence t'empêche de ralentir. C'est cela, Tyson. Tu as perdu de l'essence partout. Je crois qu'il faut réparer ton réservoir. Nous devrions appeler Tom, la dépanneuse. Super! Il vient à la rescousse! Le voilà qui arrive! On dirait qu'il a trouvé le trou. Que vas-tu faire, Tom? Oh, j'ai l'impression que nous allons avoir besoin de ton aide, Matt. Il faut que tu mettes de la colle sur le trou et qu'ensuite, tu colles la pièce de métal dessus. D'accord? Ouais. Super! Vous avez réparé Tyson! Beau travail d'équipe, les amis! Plus qu'une chose à faire! Oh. Nous devons nettoyer Car City. Ouais. Oh, bonne idée, Frank.
Ça ne prendra pas très longtemps si vous travaillez tous ensemble comme cela. Très beau travail! À plus tard!